Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de mon PEA. Cela fait maintenant plus de 4 ans que je l'ai ouvert chez Yomoni. Et comme chaque année maintenant, je te partage un peu les stats de ce PEA et je te dis un peu ce que j'en pense, les différentes techniques que j'ai pu mettre en place. Voilà, je te partage tout dans cette vidéo. Si tu n'as pas vu les anciennes vidéos, si tu veux voir un peu l'évolution de ce PEA, tu retrouveras tout juste ici au-dessus ou dans la description ou sur la chaîne. J'écris une playlist Yomoni, comme ça voilà, tu retrouves tout dessus. Donc la différence par contre cette année, comme tu vas pouvoir le voir sur l'indication de Yomoni, là j'ai pris mon tableau de bord, c'est que j'ai augmenté mon capital. J'utilise une technique qui s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. En fait, c'est que je mets de l'argent tous les mois dessus et ça permet comme ça d'étaler petit à petit. Je mets 300 euros là chaque mois, donc maintenant mon capital est de 6000, un peu plus de 6000 euros. Ça n'empêche que cette année a été vraiment incroyable sur les marchés financiers. Franchement, il y a eu des stats de fou. Il faut savoir que là, mon PEA arrivait à quand même plus de 42% de rendement. Donc, ce qui est quand même incroyable. Et le plus gros a été fait cette année. Si tu vois les anciennes vidéos, tu verras que là, ça a vraiment pris une envolée. Je te mets le graphe, on le voit bien, hein, ça part vraiment. C'est vraiment exponentiel. Donc, c'est vraiment une superbe année. Ça me permet d'avoir fait quand même plus de 2000 euros de gains. Il a été longtemps stagné à 5000 euros, j'avais mis un peu plus de 5000 euros. Là, voilà, ça permet comme ça petit à petit. Je peux que te conseiller d'ouvrir un PEA. La différence aussi, il faut faire attention, c'est que là, il y a quand même un risque 10, c'est-à-dire le risque le plus élevé. C'est sur un marché d'ETF d'actions. Donc il y a un peu plus de risque. Là, c'est vrai qu'il y a une super année, là, les marchés sont haussiers, tout va bien, c'est vraiment parfait. Quand il y avait eu la crise du coronavirus, j'avais fait une vidéo, je suis armé juste au-dessus. La gestion, j'avais été un peu déçu qu'ils aient pas mis une stratégie un peu plus défensive. Bon, ça a plutôt payé, ils ont eu raison, c'est moi qui là-dessus avais réagi peut-être plus comme un débutant. Ils ont eu raison de rester en position, ça a permis après de reprendre toute l'évolution du marché et ce qui a été vraiment top. Voilà, que te dire de plus, c'est une super année, vraiment, c'était incroyable, franchement, on arrive à plus de 40% de rendement, ça fait 4 ans, on est à plus de 10%. Moi, c'est ce que je cherche en rendement maintenant sur des placements assez intéressants et un peu agressifs, c'est 10% par an. Là, on est un peu au-dessus, ça a vachement rattrapé. Tout est vraiment parfait. Ça reste que la gestion Yomoni est plutôt quand même bonne. On est à un taux quand même de 1,6 sur tes gains. Ça reste quand même des frais de gestion assez, assez peu chers pour le marché. Ils ont eu en plus ces dernières années pas mal de récompenses. Donc voilà, je te laisse faire aussi tes recherches sur Yomoni. Je te mets bien sûr tous les liens en dessous. Il y a un lien d'affiliation. Alors, c'est pas le mien maintenant. Le mien, vous l'avez complètement bloqué. Donc, c'est pas grave. Tant mieux si ça vous a permis, mais voilà, de partager d'autres liens. Et puis, si tu as des questions, des choses comme ça, ne pas hésiter à les mettre dans les commentaires. Mais j'ai pas grand chose à te dire qu'à part c'est nickel, que tout va bien. Donc, c'est vraiment, tu vois les stats là sur le truc, c'est fou. C'est fou, cette année était une année folle. Mais il y a plein de choses là que je te parlais aussi, où c'est en train de partir là, les crypto-monnaies, il y a plein de choses à faire aussi dedans. Donc je reviens dans différentes vidéos là prochainement dessus. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à la partager. Si tu as des amis à qui ça peut intéresser, de la famille, des choses comme ça, qui veulent placer de leur argent, c'est vraiment pour débuter un bon placement. Ça se fait facilement. Yomoni est une société en plus française, donc il n'y a pas de souci. La déclaration au niveau des impôts, elle est faite automatiquement. Voilà. C'est le Crédit Agricole maintenant qui gère le compte de dépôt. Voilà, c'est une grande banque française réputée. Voilà, c'est pas quelque chose qui est arrivé derrière les fagots où on ne connaît pas trop. C'est vraiment une société sérieuse. Mais comme je te dis, fais toujours quand même tes recherches par rapport à ça. En tout cas,
je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!